On va recevoir tout de suite un nouvel invité et c'est une femme, mon Dieu, qu'elle est belle, c'est Virginie Dodio, qui est triple championne du monde de natation synchronisée, d'où la plastique magnifique. Félicitations déjà. Merci. Alors vous, vous êtes, j'ai reçu deux patrons déjà et un directeur de club sportif. Vous, vous êtes vraiment celle qui doit avoir la niaque, je suppose, tous les matins. Comment est-ce qu'on est triple championne ? Ah oui, ça, c'est une énergie en fait, c'est vraiment une volonté, c'est vrai qu'on en parle là, mais c'est un état d'esprit aussi, c'est quelque chose qu'on doit véhiculer autour de soi, parce que moi je fais quand même avant tout un sport d'équipe, donc je suis championne du monde sur le solo, mais on est vraiment en équipe, et c'est se dire quelque chose de positif à chaque fois, on renonce pas et on veut y arriver et on avance comme ça, après on découvre aussi les choses au fur et à mesure et on les prend comme elles viennent, quoi. Virginie Dodio, la règle d'or quand on travaille comme ça en équipe, puisque c'est de la natation synchronisée, c'est la confiance. Laquelle est-elle ? La règle d'or, c'est se dire que c'est possible, déjà. La confiance dans les autres nageuses, forcément, puisqu'on fait aussi beaucoup de portée. Donc là, il faut être cohérente et soudée entre nous. Et encore plus dans le duo, donc, puisqu'on a trois disciplines, hein, solo, duo et ballet d'équipe. Dans le duo, c'est une osmose carrément. Donc c'est encore au-delà de la confiance. C'est se regarder, savoir où est-ce qu'on va, sans se parler. Donc c'est vraiment avoir la même... Comment elle s'acquiert cette confiance ? C'est du travail ? Oui, alors... C'est de longues connaissances ? Bah c'est le quotidien qui va faire ça. Parce qu'on peut être la meilleure du monde, chacune de notre côté. Mais si on ne sait pas toutes les deux où est-ce qu'on veut aller et dans la même direction, ça ne va pas marcher. Et ça, ce qui va nous le prouver, c'est le travail au quotidien. Et l'épreuve, c'est comme dans l'amour, hein, c'est pas forcément se le dire, mais c'est ce qu'on va faire, notre comportement et l'avancée de notre action. Et alors, comment est-ce que vous êtes persuadé que vos autres collègues ont la même niaque que la vôtre ? Vous vous motivez entre vous ? Vous avez un rituel ? Vous avez un petit secret, une recette ? Oui, alors pendant les compétitions, on a forcément des petits rituels pour nous ressouder et pour avancer. Après, c'est comme je vous dis, c'est le prouver au quotidien. C'est pas forcément dire « t'inquiète pas, je vais le faire », mais c'est voir qu'elle l'a fait, qu'elle est encore plus haute, qu'elle donne l'énergie. Et donc après, c'est dans la visibilité de la vidéo ou le retour qu'on va avoir de l'entraîneur. Mais c'est pareil dans le travail, en effet. Voilà, j'avais envie de vous dire que vous vous parlez comme une patronne. Oui, mais c'est exactement ça. J'ai fait des études d'architecte intérieur et designer. Et les professeurs, ils me disaient ça. C'est que moi, j'ai avancé, je posais aucune question. Même si je me plantais, je recommençais. Et c'était ce qu'ils trouvaient vraiment de différent avec les autres étudiants qui doutaient ou qui peinaient à oser. Après, il faut oser aussi. Donc l'entrepreneuriat, c'est l'étape d'après pour vous, éventuellement ? Je suis auto-entrepreneur, exactement, ce qui me permet d'être donc ma reconversion architecte intérieur et designer, mais également toujours investi dans le sport. Donc je suis à la commission des athlètes de Paris 2024. Je suis partenaire également de WinEven, qui vient de faire une application pour le sport où vous voulez, quand vous voulez, un peu comme Uber. Donc je suis passionnée. Forcément, on ne part pas de ce qu'on a au départ et j'essaye de mener de front les deux. Et il me faut de la niaque, en effet, pour ça, quoi. Merci et félicitations pour toutes vos batailles. Merci à Virginie Dodio, donc triple championne de natation synchronisée, qui donc a la niaque et sait tout à fait transmettre.